À toutes, bonsoir à toutes, mesdames. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Merci, Madame Felida, pour euh, l'organisation de ce, ce show, hein, ce, ce petit séminaire, voilà, séminaire qu'on entretient depuis quelques mois déjà. Je rappelle qu'on va dédier le cours les Lunishmat Eliaou ben Chaim Vegracia Zichron Livracha et le Rav Mesod. Donc, à Rav Eliaou donc le Docteur Rav Eliaou ben Chaim Vegracia, et aussi le Rav, euh, rav Mesod ben Esther Zichonam Livracha. Voilà, on dédie le cours les Am, l'élévation de l'oram. Alors. On va faire un cours sur la paracha de, de Mishpatim. Il est marqué dans la paracha de Mishpatim, donc dans le, perek, le le 23e chapitre, Pasuk zain. C'est marqué ⁇ Lotate Mishpat Evionecha Berivo ⁇ Lotate Mishpat ne fait pas pencher le jugement Evionecha de l'indigent Berivo lorsque il est en conflit, en dispute. Ça veut dire ne favorise pas le, le, le pauvre. ⁇ Midvar Sheker Tichak, d'une parole mensongère, tu t'éloigneras vetzadik Donc quelqu'un qui est à la fois naki et tzadik ne le tue pas. qui a dit parce que moi je ne rendrai pas le tzadik racha Ensuite c'est marqué Véchochad, des pots de vin. L'otikar n'accepte pas, ne prend pas. Kiachochad, parce que le pot de vin, l'argent, il y a pikrim. Il aveugle les yeux des pikrim, des gens intelligents. Mais il s'allait mais il déforme les paroles justes. Oui, c'est déformateur de, de parole. Alors, a priori, il y, y a un lien étroit entre les, entre les éléments qui sont présents, de, de, de ne pas de faire du favoritisme vis-à-vis -vis du pauvre. Oui, dans son jugement, c'est vrai qu'on dit le pauvre, le pauvre, le pauvre. Donc on voudrait peut-être avantager son jugement pour éviter la souffrance supplémentaire qu'il a, en dehors du fait qu'il soit pauvre. Aussi, on nous dit de nous éloigner du shaker. <laughs> Midvar shaker tirag. Il n'est pas formulé sous forme d'interdiction. C'est pour voir qu'il ne ment pas. C'est écrit ⁇ éloigne-toi ⁇ Ça veut dire qu'on a une mise vente assez voyez, de s'éloigner du mensonge, de s'en éloigner. C'est-à-dire de faire en sorte que, euh, au plus possible de, 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 de la pensée ou bien de, de, la, de la façon dont on a de, de, con, de, de, concerter, de se concerter, de, de s'éloigner au maximum du shaker. Donc, ça serait un lave qui viendrait d'un C. C'est-à-dire que, par défaut, on n'aurait pas le droit de mentir, on le sait parce qu'on a une mitzvah de s'éloigner du Sheker. Ce n'est pas formulé sous forme d'interdiction, sous forme d'éloignement, de, de s'éloigner, une mitzvah de s'éloigner. Maintenant, on va essayer de voir dans le chasse, on va essayer de voir dans les gmarotes, ouais, lorsqu'on parle du Sheker, qu'est-ce que c'est que le Sheker Alors, il faut savoir qu'il euh, y a une gmara dans, gmar dans, dans Sota d'Afkafalev qui dit qu'il y, y a quatre catégories de personnes qui ne sont pas proches d'Hachem. Et parmi celles-ci, il y a des gens qui sont des Dover shkarim, shkarim des gens qui disent des mensonges. C'est marqué dans Tehilim, il y a pas seulement Tehilim qui dit dovrim euh, shkarim, donc ceux qui disent des paroles mensongères, les Yechon des enayi, ils ne pourront pas s'installer, résider face à moi, face à moi, dit Hachem, face à mes yeux. Ça veut dire que quand on est, à, quand on, on ment, quand on ment, alors on ne fait pas partie de la catégorie des gens qui sont proches d'Hachem. Ça veut dire que le chéker, c'est quelque chose qui est une abomination, entre guillemets, euh, vis-à-vis d'Hachem. Donc, évidemment, quand on nous dit de s'éloigner du chéker, ça fait partie des formats mentaux de la vie, puisque ça nous éloigne d'Hachem. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous éloignent de façon catégorique, comme c'est marqué euh, quelqu'un qui entraîne la mort de quelqu'un d'autre. Alors, il ne rentrera pas, Bémichrit Sato, chez l'Akaljboukhou, il ne rentrera pas dans les frontières de la, de la limite d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a des choses très graves. Ici, on parle de crime, on parle de mensonge. Ça veut dire que le mensonge, la, 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 le, le fait de, de mentir, c'est quelque chose qui éloigne euh, les personnes d'Akaljboukhoukhoukhou. HM. Il euh, y a plusieurs euh, exemples qui sont cités dans la dans chevaux d'Aflamé Vous voyez là-bas, on parle des Dayanim, des juges. Et on nous dit là-bas que si un juge, il sait pertinent que ce qu'il prétend, ce qu'il déclare, ce qu'il revendique est faux, il ne faut pas qu'il qu trouve du Sanegor, Sén, c'est-à-dire qu'il va essayer de défendre son mensonge. Pourquoi Parce que c'est marqué Midvar Sheker Tichak » Et il faut sur la ligne du sheker. Ça veut dire que si quelqu'un sait pertinemment que ce qu'il dit est faux, mais bon, il va absolument défendre, défendre ses idées, défendre son image, défendre son, 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 son amour propre, alors il va être obligé de mentir. Ouais, il va être obligé de mentir en prétextant que ce qu'il dit oui c'est vrai, il va affirmer, il va, il, va, il va pousser à bout les gens pour essayer de leur faire croire que ce qui est faux en fait est vrai. Et on dit non, surtout, surtout fais pas ça, parce que Midvar Sheker Tichak est loin de toi du sheker. Si quelqu'un, il est un juge, est un juge également, et il va choisir un élève qui va essayer de l'appuyer sur ses dires, il va prendre un bour, quelqu'un qui est un imbécile. Alors on dit aussi pareil. Il y aura, pas de, il y aura jamais d'opposition de, 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 contre toi, puisque tu vas, tu vas choisir un élève, quelqu'un qui est proche de toi, mais qui va jamais, il va jamais contredire tes paroles, puisqu'il n'est pas intelligent. Alors on dit pareil. Ne fais pas une chose pareille, parce que tirak, d'une parole mensongère tu t'éloigneras. Si quelqu'un sait, que, euh, euh, ouais, si quelqu sait que le jugement, il est faux. Si quelqu'un sait que le Dayan lui-même, il va faire un jugement qui est faux au départ. Il dit, bah, bah, là, je vais le laisser dire. Voilà, je vais le laisser dire. Euh, et, euh, et quand euh, il aura démontré que, que, que ce qu'il pensait est vrai, alors, je viendrai et je démontrerai son raisonnement et je prouverai qu'il a tort. Et comme ça, le jugement sera en ma faveur et on dira que le jugement est en mon nom. Voilà, on dira que c'est moi qui a, déclaré, euh, qui a déclaré que le jugement était finalement finalisé par moi. Alors dis pareil, Bitver Sheker tira, éloigne-toi de ce sheker. Ce sheker, si tu sais qu'il a tort, dis-lui directement qu'il a tort, ne fais pas en sorte que il va, tu le laisses parler, il va finaliser son jugement, finalement tu vas arriver à démontrer qu'il a eu tort, et finalement on dira que le jugement il était, il a été jugé par toi. Aussi pareil. Vous voyez Si quelqu'un, il a, il y a quelqu'un qui. Un juge, il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent. Oui. Vous savez pertinemment qu'on ne peut pas faire sortir de l'argent si on n'a pas deux témoins. Il faut absolument deux témoins qui témoignent que la personne est redevable. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit, lui, malheureusement, il n'a qu'un seul témoin. Donc, il, dit, il va voir son élève. Il lui dit, écoute, euh, le Dayan, son, son juge va voir son élève et lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui, euh, qui me doit 10 000 euros. Voilà, il me doit 10 000 euros. Écoute, mais j'ai qu'un seul témoin. La seule manière que j'ai de lui sortir l'argent, c'est par un seul témoin. Mais le seul témoin, il peut que le faire jurer et pas lui faire sortir cet argent. Un témoin, hein, il a une capacité de faire sortir. Non, il a une capacité de faire jurer la personne. Il dit voilà, Je te dois de l'argent, euh, tu me donnes l'argent, j'ai un témoin, et la personne va jurer qu'elle ne doit pas de l'argent. Mais non, bon, il a très peur qu'il mente et tout. Alors, il dit à son élève Écoute, tu vas venir de... avec moi, tu vas te tenir devant le témoin, Voilà. tu vas rien dire, tu vas te taire, je veux pas que tu parles. Mais lui il va croire. Que vous êtes deux témoins contre lui, et donc il va être obligé de payer parce qu'il a deux témoins contre lui. Le simple fait de faire ça, la Torah nous dit pareil, on dira au juge, Sheker tirera que c'est un mensonge. Je dis oui, mais euh, j'ai pas d'autre moyen de lui faire sortir son argent, mon argent, qu'en qu prétextant qu'il est aussi entre guillemets euh, témoin. Il va pas parler, il va pas mentir, il va sûrement être présent aussi. Oh, c'est pareil. On s'éloigne du shéker, c'est-à-dire toute forme de mensonge, ouais, qui a pour, qui, qui a pour euh, euh, conséquence un dommage chez la personne. Écoute, il, il, il a son droit, il a son droit de jurer. Tu le laisses, tu le laisses jurer. S'il ment, bah, ce sera son problème. Il dit ouais, mais comment je vais récupérer mon argent, moi Comment je vais faire euh, J'ai obligé de faire <coughs> cette astuce. On dit non, c'est un cheker on n'a pas le droit. Yegma dans Yvamod d'Abu qui dit là-bas hein, que euh, Rabbi et est A, ah, hein. oui, Rabbi et bah Rabbi Shimon, il pense que, que c'est permis de mentir. On a le droit de mentir. De changer. On va dire les chanottes, c'est n'est pas marqué mentir, mais marqué les changer, on a le droit de changer. Et, et, et sur ce, Rabbi Dattad, il pense qu'il y a même une mitzvah de changer. Et d'où on sait ça Alors Rabbi, il est il, est là, bah Rabbi Shimon, il dit, Barabishimon, il pense on a le droit. Pourquoi c'est permis nous, on a vu une dans la Torah qu'on avait le droit. <coughs> Parce que la suite de la mort de Yaakov Avinu dit Lagmara. Les enfants de, de Yaakov, qui étaient les Jvatim, ont, ont constaté que Yosef ne n'était plus à manger avec lui. Ils n'étaient plus invités chez lui à manger. Et ils se sont dit Voilà, oh là là, s'il nous avait plus, comme d'habitude, à manger du vivant de notre père, il nous invités à manger avec lui. Et là, tout à coup, il a changé, il a changé de comportement, il nous invite plus. Et euh, il a dit bah, Sûrement qu'il va sûrement se venger contre nous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été voir Yosef en mentant, en lui, en lui disant Tu sais, papa, avant de mourir, il nous a dit surtout de te dire. Que surtout, pardonne-nous, ne te venge pas contre nous, euh, etc. Pour éviter justement que Youssef, euh, dans le soupçon qu'ils avaient, que Youssef se venge contre eux après, après la mort de leur père. Comme si que de son vivant, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Mais après sa mort, il se serait vengé contre ses frères. Et eux, ils ont eu peur parce qu'ils ne les invitaient pas chez lui à la maison à manger comme d'habitude. Alors, ils ont eu peur qu'ils qu se venge. Et donc, ils ont, ils ont été mentir en prétextant que Yarkov nous il avait dit avant sa mort, ouais, de dire à Youssef, surtout dis-leur... <laughs> De ne pas se venger, de, de te pardonner de leur faute. Et lui, il dit Mais j'ai jamais eu rien contre vous. Et, et, et jamais Yaakov n'a soupçonné Yosef de, de devoir se venger contre ses frères. Seulement, ils ont changé pour éviter un problème. Donc, on voit que c'est moutard de mentir. À partir de cette référence dans le Midrash, on voit qu'on a eu le droit de mentir, comme ça dit Rabbi Lazar Barabi, euh, Barabi Shimon. Sur ce, Rabbi Atah dit Mais non, c'est même une mitzvah de changer. Donc, c'est Parce que. D'où euh, on sait, parce que c'est marqué dans le dans le nah, que lorsque Hachem a demandé à Shmuel la d'aller oindre le fils de Ishaï, qui devait être le prochain roi après Shaul, qu'est-ce qu dit? Qu'est-ce qu'a qu qu prétexté euh, Shmuel la Il a dit mais si je vais annoncer ça à Shaul, Yargeni, il a va me tuer. Alors Hachem lui a dit, écoute, tu lui diras que tu vas apporter tu vas approcher un sacrifice, et puis tu en profiteras pour aller à Jérusalem et aller oindre David Améler, David le futur roi d'Israël. Mais non, la a dit, mais comment Hachem il a osé dire une chose pareille Il a osé dire à, à Shaoul, à la Navi, tu vas dire que tu vas apporter un Korban, alors que ce n'est pas pour ça que tu y vas. Tu y vas bah, parce que tu veux oindre absolument, même si tu vas l'apporter ce Korban, mais ce n'est pas la raison fondamentale qui justifie le fait de ta venue à Jérusalem. C'est évidemment pour aller oindre David à Alors pourquoi il a changé Il dit, on voit d'ici qu'on a une misva. On, Hachem il a ordonné à Shaoul, la Navi de dire à Shaoul. Donc c'est une misva de changer. Donc, on a du mal à comprendre. Une fois, on voit qu'il faut saluer du chéker. On a amené plusieurs références ici jusqu'à présent pour expliquer qu'on n'avait pas le droit de mentir. C'est grave de mentir. Et là, on a une référence dans l'Agma, dans Ivamot, où on dit c'est permis de le faire. Vous voyez et c'est même, euh, même recommandé. Hachem a menti a demandé à, à Shaul, à Mener, à HM, à de, de, de mentir. C'est aussi Yengma, il y a d'autres, Yengma, Drobetia, aussi Davkaf Gimel, qui dit là-bas que si quelqu'un a posé la question à tamir Raham de savoir s'il connaît cette Maseret, ce traité du Talmud, alors, même s'il le connaît, il le connaît, mais il dira euh, « Non, pas vraiment, il va, il va, il va changer. » Si on lui dit euh, « Tiens, tu as été mangé chez quelqu'un, ça va C'était très bon, c'était bon ?» Il va dire, il, va, il, il peut pas dire « Oui, c'était excellent, c'était très bien. » Il va dire euh, « bah, Normal, normal, il va changer. » Si on lui dit euh, « si, euh, Il a eu une relation avec son épouse, hein, il va aussi devoir changer pour ne pas dire ce qui s'est passé avec son épouse. » On voit ces trois éléments-là, on, on a le droit de changer, de mentir, de changer aussi. Oui, on voit pourquoi. Rachid expliquait pourquoi. Parce que si quelqu'un, on lui dit, est-ce que tu connais cette masserette ce traité de Talmud Il va dire, euh, pas vraiment. Pourquoi Mishum Anava? Rachid dit, pour la Hanava, pour l'humilité. De mentir dans la relation... Avec son épouse, bah c'est par, par pudeur évidemment, et aussi, et, et lorsqu'il s'agit de lui demander est-ce que c'était bon chez la personne chez qui tu as, man as mangé, il va changer. Pourquoi Parce qu'il risque de tomber sur quelqu'un qui n'est pas agun, qui n'est pas très correct, et il va être Rachidi. Qui va aller l'autre, il va, il va, savoir que il est bien reçu chez cette personne. Il va tous les shabbatot, chaque repas et chaque liomtov, il va aller manger chez lui et il va être mafsid. Il va lui faire perdre son argent. Voilà comme ça dit Rachid. Il va tomber sur quelqu'un qui n'est pas agun, qui n'est pas correct, qui n'est pas, qui n'a pas de derechets. Et on a peur de ça, donc il dit, il pourrait me demande si j'ai bien mangé il Pourquoi il cette question Peut-être qu'il veut là pour profiter de lui, c'est ça qu'il a peur. Il se dit, mais c'est pas normal qu'il me demande si j'ai bien mangé chez les gens. Vous voyez, c'est pas une question qui se pose. Et donc il, et donc il pense, il, il soupçonne cette personne d'être un, quelqu'un qui va exploiter l'argent des autres, il va vouloir se faire inviter chez l'autre à chaque fois, et l'autre il va peut-être perdre beaucoup d'argent à chaque fois qu'il va devoir l'inviter. Et pour éviter cette, ce F7, cette perte, alors il a le droit de changer. Donc, on voit qu'il y a des circonstances où on a le droit de changer et des circonstances où on n'a pas le droit de changer. Il y a une autre gamarade dans, dans Chagiga d'Afiud Dalet. Amoud Beit Lagma dit là-bas hein, qu'il y en a quatre qui sont montés dans le Pardès, ou paradis. Quatre. Parmi Rabbi Ekima, il y avait Rabbi Ekima, il y avait Benzoma, il y avait Acher. Ouais. Et Rabbi Ekima, lorsqu'ils étaient dans le Pardès, au paradis là-bas, ils sont arrivés à, grandi, à, à, à monter jusqu'au jusqu Pardès, ouais, dans les secrets de la, de, de la Torah. Et là-bas, c'est écrit que Rabbi Ekima dit Si vous voyez. Un morceau d'argile qui a la forme de l'eau. Ne dites pas c'est de l'eau, c'est de l'eau. Parce que HM il supporte pas le shaker, ouais. Que d'auverge Karim, le e et il il faut surtout pas mentir. Et donc ne dites pas que c'est de l'eau, c'est de l'eau. Alors que c'est pas de l'eau, c'est du, du marbre qui, qui s'apparente quand on voit le reflet de, du marbre comme ça, on a l'impression que c'est de l'eau. Surtout ne dites pas c'est de l'eau. Et on voit là-bas pareil, on voit là-bas pareil que, que il a dit il a dit parce que HM il supporte pas le shaker. Donc, où est-ce qu'elle est la frontière entre la mitzvah, de changer la, la frontière entre le, le sourds de mentir ouais. Il y a aussi une gmara dans l'Ivamot, la gmara dit là-bas hein, que Rav, il avait une femme qui était un peu spéciale. Il avait une femme, une femme un peu spéciale. Et, euh, et à chaque fois qu'il lui demandait quelque chose, elle faisait l'inverse. Par exemple, il lui demandait « Fais-moi des lentilles », elle lui faisait euh, du, du elle lui faisait, je sais pas moi, du blé. Et lorsqu'il demandait du blé, elle lui faisait des lentilles. Bon, Toute sa vie comme ça, toute sa vie. Et il avait un enfant qui s'appelle euh, s'appelle Khaïm euh, et, euh, et quand son fils, il a vu que finalement sa mère elle faisait exactement l'inverse de ce que ton père demandait, à chaque fois qu'il demandait euh, il disait il « disait, Va dire à ta mère de préparer des lentilles », il lui disait bah, « Fais-lui du blé ». Et comme ça, elle faisait des lentilles. Et quand il lui disait, bah, tiens, demande-lui de me faire du blé, il lui disait, m'a bah, fallu des lentilles. Et puis comme ça, elle changeait, elle faisait du blé. Et puis il s'est rendu compte que sa femme elle faisait exactement ce qu'il avait dit. Ah, c'est bizarre, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Et son fils lui a dit, mais écoute, j'ai juste inversé ce que tu m'as demandé, et c'est comme ça qu'elle a, qu a fait l'inverse de ce que tu lui proposais. Et c'est comme ça que finalement, tu as pu manger ce que, tu, ce que tu aimais manger. Il a dit, il a dit, ah, j'aurais dû apprendre de toi. C'est vrai, c'est une chachma. Seulement, hein, c'est pas à toi de faire ça. Parce qu'il y a marqué que Dauverge Karim, celui qui ment, le yikon et il ne les, les pourra pas résider parmi Hachem. Euh, Ou Midvar Sheker qui tira et du sheker. Ça veut dire toi, tu l'as fait pour moi rendre service, mais ce n'est pas une chose à faire pour toi. Voilà. Et donc, pas... et donc il a reproché à son enfant euh, d'avoir de... menti vis-à-vis -vis de sa mère, bien que c'était dans l'intérêt de son père, mais ça ne se faisait pas. Et donc il lui a reproché de le... d'avoir menti. C'est aussi marqué dans... On sait, on connaît, on connaît tous. <laughs> Que dans le pasouk où Hachem euh, a demandé à, à, à comment dire à, à proposer aux anges d'aller annoncer à Avram Avinu, oui, que l'année prochaine il allait avoir un enfant. Donc l'ange va dire à l'ange va dire Avram, tu sais l'année prochaine il y a un ange qui a, qui a annoncé à Avram que l'année prochaine il aurait un enfant Bamaoïd azé Dans cette période de l'année, cette épésar, il dit l'année prochaine à cette période de l'année tu auras un garçon. Et, euh, et sa femme à Sarah, a, rigolo, Sarah y a rigolé derrière la porte. Elle a rigolé parce qu'elle trouvait ça ridicule comment Comment elle va tomber enceinte, ça, ça paraît, à son âge, à 89 ans, ça paraissait euh, stupide. Et donc elle rigole. Mais elle a dit à Denis Aken, mon Seigneur, en parlant de son mari, est vieux. Maintenant Hachem, il va voir euh, Avram, et il lui dit, euh, Tu sais, ta femme elle a rigolé. Il dit ah bon, ouais. En, en lui annonçant que la reine enfant, elle a rigolé, et, euh, et mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Et on voit encore une fois là-bas que qu'Hachem a changé. Elle n'a jamais dit qu'elle était trop vieille. Pourquoi Hachem a changé oui, on voit qu'il a changé, donc ce n'était pas du tout ce qu'elle avait dit. Elle a dit mon mari est trop vieux. Et, et lui a prétexté qu'elle avait dit qu'elle était trop vieille. Ah, ce n'est pas ce qu'elle a dit. On voit aussi que euh, quand Avram il a fait la Hakeda Oui. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, sur ramène ça, Le Rav Dessler ramène ce Midrash Rabat aussi. Et il ramène là-bas, il dit que quand Hachem a demandé à Avram Avinou de faire la Hakeda bizarrement, c'est marqué là-bas hein, que le Satan, le mauvais penchant, est venu voir Avram. Il est venu voir Abraham et il lui a dit euh, Où tu vas Il dit bah, je, je vais me promener. Il dit Comment ça tu vas te promener Pourquoi tu prends du bois et du feu Il dit bah, On ne sait jamais, je peux rester un jour, deux jours, trois jours sur le chemin. Euh, il faut bien que je mange, non Comment je vais faire Il dit Mais tu crois que je n'étais pas là quand a fait la sacrifice de ton fils Et là aussi, on s'étonne. ouais, parce qu'il il ment, quoi. Il, 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 il est carrément, il, il dit un mensonge. Il n'a jamais, jamais été question qu'il allait se promener. Il savait pertinemment, Abraham, qu'il qu allait. Qu faire la quête de son frise, Donc, qu'est-ce qu'il a été raconté à son satan Comme si qu'il se parlait à lui-même et il se mentait à lui-même en se disant que je vais finalement, je ne veux pas faire la quête, je vais aller me promener. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire de mensonge Pourquoi il, il s'est menti à lui-même Est-ce est qu'on a le droit de faire une chose pareille Du a l'air d'être qu'il avait le droit de faire ça. Pourquoi il avait le droit de faire ça qu Quelles sont les limites et la frontière entre le mensonge et la vérité Quand est-ce qu'on peut prétendre et dire que c'est vrai et c'est faux La gangmara dans Souka aussi qui dit comme ça là-bas dans Souka d'affaires qui dit que, <coughs> que quelqu'un, il ne doit pas promettre à son enfant quelque chose et ne pas le réaliser. Parce que, tu lui as fait croire qu'on a le droit de mentir. Tu lui dis, ouais, je te promets, tu auras ça, tu auras ça. Finalement, il ne va jamais réaliser sa promesse. Et c'est grave parce que ça apprend aux enfants à mentir. On n'a pas le droit d'apprendre aux enfants à, à mentir en, en, en prétextant qu'on va le faire alors qu'on ne le fait pas. Voilà. donc tu vois Zayn aussi. La elle dit là-bas, vous savez qu'il y a une une discussion. Qu'est-ce qu'on doit dire à un Khatan le jour de son mariage Oui, ce meragdim Lifna Kala, comment on danse devant une Kala le jour de son mariage. Mais là-bas, doit a qu'est-ce qu'on doit dire. C'est quoi danser, c'est dire des louanges de son épouse à son mari. Qu'est-ce qu'on doit dire Alors, Betchama Betchama, il pense qu'on doit dire des louanges telles qu'elle est. Si elle est jolie, on dit qu'elle est jolie. Si elle est gracieuse, elle gracieuse, mais on n'invente rien du tout, on ne dit pas plus que ce qu'elle est. Colche, comme elle est telle qu'elle est, on dit. Voilà. Sur ce, Beth Hilal, Bet ils disent non non. On dira Kala, Naa Vachasuda. C'est une jeune femme, une jeune Kala, une jeune fiancée, une jeune mariée, qui est Kala, qui est Naa Vachasuda, qui est jolie, et qui est souda et qui est gracieuse. Qui elle, a, elle, a du, elle a du charme. C'est une femme qui a du charme. Sur ce, ils disent, Mais si elle est boiteuse, aveugle, elle a tous les défauts du monde. On va lui dire quoi qu'elle est Na'a Vachasouda mais Mitvar Sheker On doit s'éloigner du sheker. Et sur ce, Bethilène va répondre à Chamaï. Il lui dit moi, si quelqu'un vient vient voir, il dit euh... une femme elle vient voir sa copine, il dit dis-moi qu'est-ce que tu penses de ma robe. Bon, la robe elle ne lui plaît pas, hein. mais elle lui dit qu'est-ce que tu penses de ma robe. Il dit bah, qu'est-ce que tu dis, euh, bah, Marcel Tov, euh, très joli, ouais. C'est ce qu'il a dit Bethsamy. Il dit si quelqu'un il a fait un mécar, il a fait un achat, ouais, il te dit voilà qu'est-ce que tu penses de l'achat que j'ai fait. Bah tu lui dis bah il est très joli, bien qu'en vérité il te plaît pas, pas forcément. Donc tu vas dire quoi, tu vas dire bah, il est très joli. Il dit bah c'est pareil, tu vois bien que c'est pareil. Pourquoi tu mens Parce que bah c'est pas pour toi que tu dis, c'est pas pour toi que tu mens. Tu mens pas pour toi. C'est vrai que toi ça te plaît pas, ça te plaît pas. Tu as l'impression de te mentir en prétextant que, que 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 ce vêtement il est pas beau ou que cette fille elle te plaît pas. Ok, c'est vrai, elle te plaît pas, c'est possible. Mais s'il l'a épousée, c'est qu'elle lui plaît. Alors tu vas lui dire la vérité qu'elle est belle, qu'elle est jolie et qu'elle qu a du charme, qu'elle est charmante. Donc c'est la limite du shaker. J'ai l'impression que quand je dis quelque chose qui ne correspond pas à ce que je pense, c'est du shaker. Je ne vais pas mentir, donc je vais dire la vérité. Et on voit d'ici qu'il y a des vérités qu'on ne doit pas dire. Bien que toi, tu sais pertinemment... Que ce que tu vas dire, bah c'est, 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 ça aurait été la vérité. Mais je vais pas lui dire qu'elle est, qu'elle qu pas le joli, donc je vais rien dire, voilà. Mais bon, quelque part, elle va se sentir vexée, parce que ou lui va se sentir vexé. Mais pourquoi il, pourquoi n'a rien dit? Pourquoi la personne qui devait louer mon épouse n'a rien dit? Alors et, donc ça veut dire quoi? Elle n'est pas comme, comme pas comme je la vois? Alors il dit non, je vais, je vais, je vais dire sa vérité. S'il l'a épousée, c'est qu'il la trouve belle. S'il l'avait épousée, c'est qu'il la trouve charmante. Parce que sinon il a un peu plus. Ah moi elle me plaît pas. Alors parce qu'elle ne me plaît pas, je vais lui je vais dire la vérité. Ma vérité, non, dis-lui la sienne. Et la sienne, c'est que s'il a épousé, bah c'est que forcément, il l'a trouvé je vais, charmante. Et donc c'est ça que je vais dire. Je ne vais pas dire ma vérité, je vais dire la sienne. C'est ce, ce que disent Beth C'est pareil pour l'histoire de, de l'achat. Quand quelqu'un achète quelque chose, ouais, on voit que... On voit que... Euh, on va, lui dire, on va lui dire ce Je ne vais pas lui dire ce que je pense. Il a acheté une voiture, elle ne me plaît pas. Je ne vais pas lui dire, elle est moche ta voiture. Bon. S'il me demande conseil, je lui dirais, bah, écoute, je ne sais pas si ça vaut le coup de l'acheter, mais s'il l'a déjà payée, achetée, je vais pas lui dire qu'elle est pas belle. Je lui dis, bah, écoute, bah, Mazaltov, Mazaltov, bon, elle me plaît pas, mais c'est son choix, on va dire. Donc je vais dire, Mazaltov, je dis, mais, ah, mais c'est un mensonge, parce que toi, tu, tu, tu te semblerais ne, ne jamais pouvoir l'accepter, l'acheter, oh, tu ne l'aurais jamais acheté, tu ne vas même pas regarder. Bah, c'est vrai, ils n'auraient pas regardé, moi. Mais s'il l'a acheté, lui, bah, je vais lui dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'elle lui plaît. Donc, je ne vais, je vais pas changer cette vérité pour moi. Très intéressant de voir la limite. Ouais. Quand est-ce qu'on pense que c'est du shaker et c'est du helmet En fait, on se rend compte que la vérité, le mensonge, n'est pas... Euh, si je vois un verre d'eau, je ne vais pas dire... Euh, bah, le mensonge, ça serait de dire que c'est une bouteille. Euh, si je vois une voiture, le mensonge, ça serait de dire que c'est un vélo. Ça, c'est évident que c'est interdit, ça. Mais il y a des subtilités dans le mensonge. Oui, et des subtilités dans, dans la vérité. Il y a des vérités qui ne se disent pas et ce serait un mensonge de le dire. Et il y a des mensonges qui sont des vérités et ce serait une misva de mentir. Comment ça marche oui. Alors en fait, vous avez compris que, en vérité, fait, la, démarche, la démarche du mensonge et de, et de, et de, la, et de la vérité, la c'est quoi la démarche Pourquoi des fois il est permis de mentir, il est même conseillé de mentir oui, On dit pour le shalom Ouais, on voit qu'il est permis de mentir. D'où on tire ça, en fait, dans le shalom baït Depuis quand, pour la paix des ménages, tu as le droit de faire une avéra Je n'ai pas compris. C est... C est... On dit, bah, tu vas manger du cochon, et ça va aider les gens à... Bah, je... Si c'est interdit de mentir, je ne vois pas pourquoi j'aurais le droit de mentir pour... Euh... Est-ce que la fin justifie les moyens Est-ce que parce que euh, monsieur ou madame a un problème, je vais mentir ouais, pour essayer de sauver la situation Madame a un problème, elle va mentir à son mari pour sauver la situation. Monsieur il a un problème avec sa femme, il va mentir pour sauver une situation. Depuis quand tu as le droit de mentir <laughs> Pour sauver la situation qu'elle la tienne, ton shalom baït. Depuis quand la fin va justifier les moyens Ouais, depuis quand Alors en fait l'idée c'est comme ça. Vous savez il y a marqué dans les piercings à vote, dans les piercings à vote c'est marqué là bas hein, que Aaron à Cohen il est Aaron à Cohen, qui était le, le frère de Moshe Rabbeinu, il était un rodef shalom, rodef. Rodef, c'est-à-dire qu'il le shalom. oève est un il aimait les créatures, il aimait les gens. au à Torah, il est rapproché de la Torah. Et là-bas, qu'est-ce qu'il faisait C'est quoi Comment il faisait le shalom il explique le Rambam. Vous savez que dans le chasse, il y a le pire Père dans les chasses, dans le chasse, dans le Talmud. Et là-bas, il y a trois explications, il y a trois commentateurs, on va dire. Il y a, ce, il y a le, le commentaire du Rambam, il y a le commentaire de Rachi et Rabbeinu Yehuda. Et là-bas, le Rambam explique qu'est-ce qu que faisait Aaron à Cohen. Quand vous disiez Shalom, comment il faisait la, la paix entre deux personnes qui étaient en conflit Il allait voir une des deux personnes. Il lui disait Tu sais quoi euh, Voilà, j ton pire ennemi là, tu, tu vois de qui je parle oh, Oui, tout à fait, tout à fait, ouais. ça fait déjà très longtemps que je ne lui parle plus. Je dis bah, Il est venu voir hier. Et alors Il était en pleurs. Tu sais comment il était bah, 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 bah. Il était en pleurs, effondré. Il m'a dit Mais, mais euh, pff, écoutez, euh, écoutez, Rave. Ça fait des semaines des semaines que j'essaie de me réconcilier avec mon ancien ami. On s'est disputé pour des bêtises, franchement. Et il pleurait effondré qu'il était. Il pleurait, il dit, j'en peux plus. Je voudrais absolument retrouver son amitié. Il dit, moi, j'y arrive pas, mais peut-être que vous, vous, Cohen Gadol... Rona ah, Cohen, peut-être qu'il va, il va vous écouter, il va, vous allez réussir à le convaincre qu'il faut qu'on qu fasse le shalom entre nous. Il fait, ah bon, mais comme ça, oui, mais je te promets, il pleurait, il était effondré, le pauvre, il n'en pouvait plus, il voulait absolument retrouver ton amitié. Il dit, ah oui, d'accord, écoutez, Rave, d'accord, bah, écoutez, euh, j'accepte, écoutez, je, je vais faire le shalom. » Et il allait voir l'autre, pareil, le même cinéma, quoi. Tout est du shaker, mais checker game war. Maintenant, hein, Jamais la personne lui a demandé d'aller parler à hein, son, son pire ennemi et, euh, et, et il a tout inventé. Voilà Voilà ce que dit le Rambam. Maintenant, on parle de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est le frère de Moshe Ramelon. Aaron à Cohen, c'est celui qui a été l'intermédiaire pour aller sauver le clan d'Israël avec Moshe Ramelon. C'est celui qui est le Kohen Gadol, c'est-à-dire qui rentre dans le Kodesh des les jours de Kippour, pour expier toutes les fautes du clan d'Israël. Donc, d'une doucha comme celle-là, on n'en trouve pas deux. Il n'y a pas. Il a pas y a un seul Kohen, il n'y en a pas. Mais non, à son, à son niveau, on, a, on je trouve bizarre, hein, pas vous, je ne sais pas si vous trouvez bizarre, qu'il qu ait été mentir carrément pour faire le shalom, Mais un mensonge grossier, quoi, comme celui-là. Comment ça s'explique Il aurait pu dire. Euh, écoutez euh, c'est ridicule, stupide, euh, faites le shalom, c est, c est, ça se fait pas, ça souvent. Voilà, il va expliquer toutes les formes d'issourime qu'il y a dans le fait d'être en conflit, le lâchonar que ça engendre, euh, le fait de, de, de se disputer, l'autonomie de ne pas créer de dispute, etc. Voilà, il y a plein de lavines dans la Torah qui vont expliquer ou bien le bienfait d'être des amis. quoi. Pourquoi il, aura, pas, il, pourquoi il aura menti, il aura menti Alors en fait, il faut, il faut comprendre comme ça. Quand il y a conflit entre deux personnes, c'est qu'en fait le itzara s'est mêlé. Et que l'autre il dit euh, T'as vu comment il t'a parlé euh, Mais défends-toi et, et, et ne lui parle plus. Il euh, t'a pas invité à l'hommage de ses enfants. C'est quoi cette honte Et tout ça euh, C'est fini, je ne te connais plus. Voilà. Des disputes, des problèmes. En fait, il faut se rendre compte. Et écoutez-moi ce que je vous dis. Que quand la personne dit Mais comment il a osé ne pas m'inviter Comment il a osé me parler comme ça devant tout le monde la, 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 la. Il dit Mais euh, c'est fini, je ne lui parle plus. En fait, en fait j'ai l'impression que c'est moi qui pense. En fait, ces arguments, ils sont utilisés à l'intérieur de soi-même par le Yidsera. C'est le Yidsera qui te dit mais attends défends-toi, ne te laisse pas faire, ne lui parle plus, c'est quoi cette honte, c'est quoi ce c'est lui parce qu'en vérité au fond de moi-même, au fond de moi-même. Bien sûr que j'ai pas envie de faire de, de conflits, je j'ai pas envie de me disputer avec qui que ce soit et j'ai envie de m'entendre avec tout le monde, évidemment que c'est comme ça. Seulement, le le il se mêle. Ouais, il utilise l'amour-propre de la personne pour le mettre en conflit avec les autres. Donc qu'est-ce que fait Aaron A. Cohen Écoutez bien ce qu'il fait Aaron A. Cohen. Quand il ment à la personne, il ment pas à la personne. Ils mentent au Yitzhakara de la personne. Vous comprenez ce que je veux dire Ils ne vont pas la personne. Ils diront, ah, il était effondré, les machins. Maintenant, il faut bien comprendre, c'est très subtil, hein, que quand il ment en vérité, voyez, il essaie de mentir à celui qui a menti. Parce que votre Yitzhakara, à nous, à nous tous, on a tous un Yitzhakara, il nous ment en fait en permanence. Il nous ment, il nous fait croire. Il nous fait croire que que l'autre euh, il nous en veut, euh, que l'autre il nous fait la tête, et nous avons des trucs, on n'en est pas certain, mais a priori c'est comme ça, vous savez, c'est toujours comme ça, c'est toujours des interprétations, et donc on va arriver des fois à de la haine contre les gens, et, de la, et, et parce qu'on a été désabusé, parce qu'on a été humilié, parce que je sais pas quoi, ouais, et donc on va se mettre en conflit, au lieu de s'arranger et de se dire, bon bah, il a été bête, de, de, comme il y a des gens ils se rendent malades à cause des autres, ouais parce que parce qu'ils ont eu, voilà ils pensent ça de moi l'autre il pense ça de moi etc., etc ils se rendent malades alors que bon bah, c'est de la bêtise quoi mais bon on se rend fou on se rend malade à cause des autres alors alors on a été trompé par son etc alors on a le droit de mentir à son pour, pour etc pour nous remettre en place mentir à celui qui te ment et Aaron à Cohen, il va mentir à, à non pas la personne mais celle qui manipule la personne c'est-à-dire l'etzerah qu'est-ce qu'il veut l'etzerah bah, qu'est-ce qu'il veut bah, Je vais l'interroger. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux Il dit, mais faut il faut qu'il s'écrase. Ouais. Il faut qu'il se la ferme. Et il faut qu'il... Et, et c'est que comme ça que, que je, je le pardonnerai. Je, je veux qu'il m'embrasse les pieds. Voilà, je veux ce que, ce que je veux Alors, 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 alors il dit, bah, c'est ça, bah, je vais lui dire ça. Je vais lui dire, écoute, voilà, il est effondré, il aurait tellement aimé te retrouver, il veut être nana. Il, 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 il s'exclut mille fois, il, il t'embrasse les pieds, voilà ce qu'il voilà qu a dit. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Il a répondu au lieu de Il a dit, ah si c'est comme ça par contre, s'il avait dit de la vérité, s'il avait dit, écoute, ça ne se fait pas, vous êtes, vous êtes des amis depuis 20 ans, et tout à coup, vous êtes disputés pour des bêtises, je dis la vérité, il ah, mais non, il n'y a rien à faire. Et là, la personne va se braquer. Quand je lui dis la vérité, ouais, que ça ne se fait pas de parler comme ça, ça ne se fait pas de se comporter de la sorte, alors il va se braquer, il ne va pas m'ouvrir m'écouter. Mais quand j'ai menti, en vérité, je lui ai dit sa vérité. La vérité qu'il aurait voulu entendre, c'est que c'est l'autre, il, il est effondré, que l'autre, il s'excuse jusqu'à lui embrasser les pieds, etc. C'est ça qu'il voulait entendre. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça vous savez que quand, quand on, on, on ment à la personne dans le Shalambahit, on ment pas à la personne, on ment au Yetzirara de la personne. Un peu pareil, écoutez-moi bien, un peu pareil. un peu pareil. Quand Hachem, il a su que Sarah avait rigolé derrière la porte lorsqu'on lui annonce qu'elle aurait un enfant l'année prochaine. Bon, pourquoi elle rigole bah, Elle rigole parce que c'est stupide. C'est ridicule qu'une femme de 89 ans, elle a des enfants, euh, c'est ridicule. Mais non, elle, elle a retrouvé, euh, elle a retrouvé sa, sa, sa fertilité. Donc, ça, dit Rachid. Donc, qu'est-ce qu'elle va prétexter Elle va dire, ben, moi je veux bien, moi je suis, je suis apte à en avoir, mais mon mari, je ne suis pas sûr. Donc, elle rigole, elle dit, mais c'est ridicule parce que je, je, mon mari est trop vieux. On n'aura jamais des enfants, ce n'est pas possible à son âge. Il a 100 ans, mon mari, n'aura jamais des enfants. Il a 99 ans, on n'aura pas d'enfants. Maintenant, qu'est-ce que fait HM Il dit à Abraham, écoute ta femme, elle a rigolé. Je dis alors quoi ben, La preuve, c'est que si elle rigole, si rigole c'est qu'elle n'y croit pas. Et si elle n'y croit pas... Elle pourrait jamais tomber enceinte. Il faut qu'elle y croit. Il faut qu'elle y croit. Alors va lui parler, essaie de la convaincre qu'on aura un enfant, on aura un enfant. Seulement, aussi, Hachem dit à Abraham, écoute, va lui parler, va la convaincre, mais elle a dit que tu étais trop vieux. Pardon Elle a dit que tu étais trop vieux. T'es trop vieux. Tu n'auras pas d'enfant. C'est pour ça qu'elle a pensé que non. Elle a dit quoi Que je suis trop vieux Mais ça ne va pas, mais je ne suis pas vieux, ça va, je suis en pleine forme et tout. Vous avez compris? Donc pour ne pas toucher dans l'amour propre d'Abraham avec en tant que fier d'être un homme... Alors il va dire, elle a dit qu'elle était trop vieille. Vous avez compris ce qui se passe ou pas Ça veut dire que Hachem, quand il a changé, il n'a pas changé pour mentir. Il a changé pour, pour, pour mentir au Yitzhara d'Avram, qui pourrait prétexter dire, mais comment quoi, elle a dit qu'elle était trop vieille bah, euh, ouais, D'accord, d'accord. Mais par contre, si elle dit qu'elle est trop vieille, ça ne me dérange pas. Mais de dire de moi que je suis trop vieux, ça va pas, ça va me vexer. Donc pour ne pas vexer Avram, pour... alors il a contourné Yitzhara d'Avram en prétextant qu'elle avait dit qu'elle était trop vieille. Vous avez compris ce qui se passe Maintenant, pourquoi c'est permis parce que, parce que si je lui dis la vérité à Vramavinu, il va se vexer. Et s'il va se vexer, elle ne va jamais tomber enceinte parce qu'il ne va jamais la convaincre. Alors j'ai le droit de changer pour le bien. Quand est-ce qu'on a le droit de mentir C'est quand la, la conséquence est pour le bien. Mais si la, mais si la conséquence est pour le mal, c'est assourd de mentir. Vous avez compris Pourtant, oui. pourtant l'enfant avec... Euh... Avec son père, là, qui était rave et qui a dit le contraire, mmh. c'était pour le bien. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai, mais c'était pas à lui de le faire, c'était à son mari de le faire. Ça qu'il a voulu dire, c'est vrai que ce que tu avais c'est pour le bien, mais c'était pas ton rôle, c'était le mien. C'est ouais, vrai que c'est moi qui aussi. aurais dû dire, voilà, il a dit, parce que je t'ai dû qu'à mentir et ça, j'ai pas envie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour le bien, demain, ce sera pour le mal. Donc en tant qu'éducateur, en tant que pédagogue, je n'ai pas le droit de le faire. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de t'apprendre ça. C'est pour ça qu'il a dit, c'est vrai, ce que tu as fait, c'est bien. Je... Mais il dit, j'aurais dû apprendre de toi. C'est ça qu'il a expliqué. Mais vous avez raison, vous avez raison. Mais quelque part, ce n'était pas à son fils de le faire, mais c'était à son mari de le faire. Et c'est pour ça qu'il a reproché ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là On apprend que, que, euh, que, que le, fait, le, fait de, le fait de mentir, ça peut avoir des conséquences des fois positives. Parce que comme Avram avait quand le Yitzhara, il vient le voir, il dit mais où tu vas, Oui, Comme le Yitzhara, il vient, c'est vrai que c'est compliqué parce que parce que des fois hein, des gens qui sont très très honnêtes, on est tous très honnêtes et on, on ne veut surtout pas mentir et ça nous est difficile de croire qu'on peut se mentir. C'est vrai que c'est très compliqué. Hein. Mais non, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer En fait, ce qui se passe c'est que Hachem il a dit Avram, tu vas prendre ton fils, je t'en prie prends ton enfant, Karnei binra à cher à Avta que tu aimes, ouais, et, et monte-le en holocauste euh, en sacrifice. Mais à quand Abraham, il entend ça, je sais pas si vous mettez à sa place, mais c'est un, un choc émotionnel très très fort. Bah, il a prié pendant toute sa vie pour avoir cet enfant. Il arrive à, 100, à 99 ans, on lui apprend, on lui annonce qu'il va avoir un enfant. Et euh, donc ça va combler tout, tout le, toutes les prières qu'il a dû euh, il a dû prier pour avoir cet enfant et euh, il l'éduque, etc. Et 37 ans plus tard, on lui annonce que, qu'il euh, bah, faut le sacrifier. C'est-à-dire que c'est n'est pas seulement qui va sacrifier un enfant. Mais tout le projet que représente Israq Avinu pour Avraham Avinu, parce que le il va il va, c'est le seul enfant qu'il a, le seul qui va représenter Hachem et qui va représenter la Torah, c'est lui, c'est Israq. Il a, il a dit. Il a lui pensé au départ, qu'Ishman, il pouvait remplacer, il pouvait éventuellement être le Bechor. C'est lui le Bechor. C'était lui le premier enfant né. Mais Hachem a dit non. Il a dit Israq et carré les c'est par Yitzhak que ta descendance s'appellera, et donc il a, il a compris que c'était Yitzhak. Et là, on lui demande de sacrifier Yitzhak. Ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'il va faire perdre son fils, c'est qu'il va perdre tout le projet qu'il avait projeté de faire de, de, à travers Yitzhak. C'est terrible qui lui arrive, terrible. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour amortir le choc Il se ment. Il sait qu'il va y aller. Il dit non, non je vais me promener. Soit Yitzhak, il dit mais où tu vas Où tu vas, tu vas pas tué ton fils Ça va pas quoi Ouais. Et lui, dit Mais où tu vas Il dit ah, Je vais me promener, je vais me promener. Comment ça, tu vas te promener Mais après, tu as pris du bois et du feu. Il se parle à lui-même. En fait, il est en train d'amortir le choc. Il se ment à lui-même, Avraham nous pour ne pas accepter l'idée que ce qu'il est en train de vivre, c'est un choc trop émotionnel. Et donc, il, 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 il amortit un petit peu ce choc-là pour éviter. Il pourrait même se suicider. vous comprenez Tellement, c'est horrible ce qui lui arrive. Le choc est trop fort. Alors, on a le droit de se mentir. On aura le droit de mentir à celui de C'est ça qu'on apprend d'ici. On a le droit de mentir à celui qui me ment. Parce que je sais qu'au fond de lui-même, ouais, le tzera, il va me faire croire qu'il a raison. Et c'est vrai qu'il a. c'est vrai qu'il n'a pas tort, c'est pas logique, ce que me demande Hachem à mes yeux, c'est pas logique, comme il me demande une chose pareille. Et en plus, il me dit L'enfant que tu aimes est ton unique enfant et là, là c'est des choses qui sont horribles à entendre. Et donc Yitzhara dit Attends, tu vas pas y aller Mais c'est sûr que Dieu il t'a pas dit ça. Il, a, pas, il a dit tu l'enfant qui est en toi, il t'a pas demandé de tuer ton fils, ça va rien dire. En plus, l'enfant que tu aimes, comment il a osé te demander l'enfant que tu aimes, c'est pas possible. Et donc tout les, toutes les questions qu'Abraham se pose, c'est les questions que Yetzera lui pose. Et donc qu'est-ce qu'il répond à Abraham bah, il dit, euh, il va mentir. ouais. Pourquoi faire Ouais il va, il va mentir, vous savez pourquoi faire Parce que s'il si, se dit la vérité, ce s'il ce qu pense, qu pense que c'est vrai, alors jamais de sa vie, il va faire la quête à Israël. Et donc il dit, mais attends, il va dire à Souhisara, il va dire à so toi, tu me demandes de ne pas y aller. Tu as raison. Ça se fait pas de demander à quelqu'un d'aller tuer son fils. En plus de tuer, c'est interdit. Se faire un sacrifice d'enfant, c'est encore pire. Mais de tuer un enfant, c'est interdit. Ouais, la lotir tsar, c'est partie des commandements. Et donc, comment tu, comment tu as cru que Hachem t'a demandé de tuer ton enfant C'est pas possible. Il dit tu as raison. À part ça, hein, les enfants que tu aimes, eh, c'est cruel. Ton unique enfant, ça veut dire que tu n'en auras pas d'autre. Mais Dieu, il m'a promis, il m'a promis que j'aurai une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Donc, c'est un chéquer. À part ça, c'est un mensonge. À part ça. Euh, à part ça, c'est l'unique enfant que j'ai et c'est l'enfant le, qui, va, qui va permettre d'engendrer de, 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 une descendance qui va apparaître le cas Israël, sacré le, le cas Israël. Donc, qu'est-ce que je fais Donc, toutes ces questions, en fait, elles sont vraies. Alors, je lui dis à Sarah, Avram il va dire à son il va dire Mais t'as raison. T'as raison. T'as raison. raison humainement. Humainement et tu as raison. Mais si tu as raison, on... c'est que Dieu a tort. Tu dis Mais hey, c'est pas possible qu'il t'ait dit ça. Il dit Écoute, j'ai rien compris. Franchement, j'ai pas compris. Mais c'est justement parce que je n'ai pas compris HM il a voulu me faire rentrer dans une logique qui est au-delà de ce que je conçois. Et c'est ça que je vais faire. Je vais faire ce qu'il m'a dit. Parce que si tu as raison, c'est qu'il a tort. Or, il n'a pas tort. Maintenant, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Ah, parce que tu pas compris, tu ne vas pas faire. Vous avez compris Le il veut m'empêcher de faire. Vous avez compris ce que je veux dire Mais je lui dis, non, je lui mens. Ou bien je, je, je trouve un argument. Je dis, mais si tu as raison, alors c'est qu'il a eu tort. Mais il n'a pas eu tort. Donc, s'il n'a pas eu tort, donc je vais faire ce qu'il a dit. D'accord Il m'a dit sacrifier, Et si, ce qui va se passer, c'est que finalement, hein, il va, grâce à ça, réparer son problème avant nous parce qu'il devait amener à Corban le jour où il a sevré son fils qu'il n'avait pas apporté, et c'est comme ça, 35 ans plus tard, qu'il va l'amener. Vous avez compris ce que je veux dire Mais tout a un sens. Mais, mais c'est parce que j'ai. Donc, il a, en fait, il a, il, on est capable de tronquer celui qui nous, nous trompe, en fait, celui qui nous trompe. C'est ça qui est marqué là-bas. Quand Hachem, il a dit euh, à Shaoul Amelher, h ah, la Navi il a dit, dis-lui que tu vas amener un sacrifice, ouais, plutôt que d'aller moindre. mais il dit, oh, mais il va me tuer, Et je dis, bah oui, bah, dis-lui que tu vas aller amener un sacrifice, en fait il a menti à qui Bah il a menti au de Shaoul à parce que depuis quand, parce qu'on va nommer un nouveau roi, on peut tuer le, le prophète, vous avez compris Il dit, bah il est un grand alors comment tu vas faire Bah tu vas mentir au Yedzerah, tu mens pas à Shaoul en fait Shaul, il est prisonnier de son Yitzhara parce qu'il ne supportera jamais qu'on puisse prendre sa place euh, en tant que roi. Alors, tu vas, tu sais ce que tu vas faire Tu vas lui faire croire hein, que tu vas porter un corban Il dit, mais ce n'est pas ça que je vais faire. J'ai compris. C'est vrai, tu as raison. Mais tu vas en profiter pour l'apporter, ce corban Mais ce n'est pas vraiment la, la raison de ta venue à Jérusalem. C'est vrai. Mais tu vas lui mentir. En fait, tu vas mentir au, au Yitzhara de... de au, tu vas mentir au Yitzhara de, de Shaul le C'est aussi marqué dans la paracha hein, de Chayessara. Vous vous rappelez que là-bas... Hein, Avram, il avait demandé à Eliezer d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Et euh, il a dit, euh, peut-être qu'elle ne me suivra pas. Il a dit, mais euh, t'inquiète pas, euh, si elle ne te suit pas, bah, c'est c'est pas grave, tu auras réalisé ma, euh, ma promesse, mon, mon serment, que tu m'as juré d'aller trouver une femme, surtout une femme de ma famille, mais pas une fille de Reskenan. Ok, donc qu'est-ce que fait Eliezer bah, Il s'en va. Mais en fait, il a eu le xitata derer ça veut dire qu'il est retrouvé. En une seconde, il s'est retrouvé de Hevron en Irak. Voilà où habitait euh, à, à Aram Naharaim, là où habitait Abraham à Urkazdim. <coughs> il, il arrive devant une rivière. <coughs> et, euh, et avant de, avant de, de rencontrer Rivka, il prie Hachem. Il dit, voilà, il dit, euh, si la fille que je vais rencontrer, je lui propose de me donner à boire. Et que par hasard elle me réponde, bien sûr et à mes chameaux, alors tu auras prouvé à ton serviteur que c'est la femme d'Israël. Ça a eu la probabilité qu'elle puisse dire une chose pareille, elle chance sur un milliard. D'accord Qu'elle dise oui, ou bien sûr, à toi et à tes chameaux. Bah, elle peut dire euh, non, je suis désolé, euh, je suis un enfant, tu dis un adulte, euh, oui d'accord, je vais bien, mais je veux... elle, elle vais... Devait, elle devait puiser une tonne d'eau parce qu'il avait 10 chameaux qui buvaient 100 litres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de ce qu'il a demandé. Et donc, en fait, il a demandé une chose qui était improbable. Mais pourquoi improbable Parce que l'improbabilité, c'est HM. Le hasard, c'est Dieu. Et donc, il dit Là, je saurai que c'est ton choix. Parce que c'est tellement improbable qu'elle me réponde ça que c'est celle que tu auras choisie pour Yitzhak. Et qu'est-ce qui va se passer Il va voir une jeune fille. Tout à coup, il n'a même pas fini sa phrase qu'elle était là. Il dit Bonjour, mademoiselle, est-ce que vous pouvez me servir à boire Je peux boire de votre cruche. Elle a dit Bien sûr. Et aussi à des chameaux. Et là, il est complètement estomaqué quand il dit Mais c'est incroyable Il dit Mais c'est elle, c'est pas possible, c'est elle et, euh, et donc, il lui met les bracelets pour la marier. Et il lui dit De quelle famille tu viens Il dit bah, Je suis la, vie, la fille de Bethuel. Et la fille de Bethuel, c'était. Euh, Bethuel était le, 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 le petit-fils d'Abraham Avinu. Parce que sa sœur Milka, elle était mariée avec. Son frère Nahor était marié avec Milka, avec, avec Milka. Et Milka, elle a eu, eu Bethuel. Et donc c'était le neveu d'Abraham. Et donc c'est incroyable, il dit mais c'est incroyable que, que le neveu d'Abraham, il a une fille qui s'appelait Rivka. Il dit mais c'est vraiment la famille d'Abraham quoi, c'est incroyable. Et donc il lui met les bracelets et, et il a barri, quoi. il a pris, il lui demande de quelle famille elle appartenait. Et quand il était voir Betuel, le texte nous dit qu'il a inversé. Il a changé en fait. Il a dit d'abord je lui demandais de quelle famille elle était. Et lorsqu'il dit la famille d'Abraham, ah super, et là je lui ai les bracelets. <coughs> et là-bas, pareil, je suis dit qu'il a changé. Le prix, il a changé. Il dit parce que parce que Betwell, il n'était pas croyant. Et donc si je lui dis, écoute, je... Elle m'a répondu exactement ce que j'attendais d'elle. Et par hasard, c'est tombé comme ça. Et là, je l'ai marié tout de suite. Et après, je lui ai demandé de quelle famille elle était. Il dit, mais comment as pu lui mettre les bracelets sans savoir de quelle famille elle venait Pour ne pas qu'il pose la question parce qu'il n'était pas croyant. Alors j'ai inversé. Ça veut dire qu'il a changé pour ne pas qu'il ait la question et qu'il accepte en fait ce que lui disait euh, Eliezer. Vous avez compris Ça veut dire que la logique elle est il faut que tu puisses parler en fonction de ce que, la, ce que ton, ton interlocuteur il est capable d'accepter. Et donc tu vas changer pour lui faire dire la vérité, pour lui faire entendre cette vérité. La vérité c'est que es Médashem. Mais seulement il va pas y croire. Alors j'ai le droit de changer. Vous avez compris C'est ça qui est marqué. Si je lui dis, je lui ai mis les bracelets. Et après je demande qui a famille elle était. Mais il me dit comment il a demandé. Il a été capable de lui demander après qu'il ait mis les bracelets. Mais c'est pas logique. C'est pas normal ce qu'il a fait. C'est quoi c'est de la sorcellerie c'est quoi. Il a, pas normal ce qu'il a fait. Le hasard le hasard mais c'est pas forcément sûr le hasard. Comment il a osé mettre les bracelets sans savoir qui elle était fondamentalement. Alors il a dit ouais t'as raison C'est ce que tu vas entendre. Je vais te dire ce que j'ai fait. Mais je vais pas te dire comme je l'ai fait. Je vais te dire comme toi tu voudrais l'entendre. Ça veut dire qu'on doit toujours s'adapter aux personnes à qui on parle. On a le droit de changer pour amener les gens à la l'Aïmouda. La fin peut justifier les moyens parce que le shaker, ça serait de dire la vérité. Si je lui dis la vérité, ouais, que je lui ai mis les bracelets et après je lui ai demandé quelle famille elle était, ouais, alors il va me dire mais, 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 mais il fait n'importe quoi. En vérité, c'est le Yitzhara qui va lui faire croire à Betouel qu'il a eu tort, à euh, Eliaser, d'avoir mis les bracelets avant d'avoir demandé qui elle était. C'est l'Ietzera qui va dire, mais qu'est-ce qu'il fait C'est pas normal. La question vient du Ietzera. Alors je change pour faire croire au Ietzera le contraire. Je vais lui faire croire, comme ça si il n'aura pas l'Ietzera la question. Et il n'aura pas la question, Betuel, well, de savoir comment ça se fait qu'il a mis des bracelets avant. Donc quand on ment, on ment au Ietzera de la personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un, il va dire la vérité à sa femme alors qu'elle va se vexer ou elle va faire je lui mens. Parce que le but, en vérité, c'est qu'on garde le shalom. Je sais que quand je, je dis la vérité, j'alimente ton Ietzera. Lorsque je dis la vérité à mon mari, j'alimente son yedsher. C'est lui qui va avoir la question. Vous comprenez Donc, pour ne pas que ça crée un problème, une dispute, alors j'ai le droit de changer pour éviter le yedsher. C'est ça, mitvah tira, qui est permis de faire. Tout le reste est interdit. Ça veut dire que, ça veut dire que quand, quand Béthilel a dit, mais dit qu'elle est naavachasouda, mais elle n'est pas belle. Je ne veux pas mentir. Je lui dis, non, si. C'est un mensonge pour toi, mais pas pour lui, alors tu vas lui dire la vérité, c'est ça qui va créer le chalum. Parce que si tu dis, tu sais, ta femme elle est moche, euh, mais comment tu as pu l'épouser, ça va pas, c'est ce que toi tu penses. Mais si tu dis cette vérité, tu vas le vexer. Tu comprends Et pour lui, c'est faux, puisqu'il l'a épousée pour autre chose. Donc pourquoi tu lui dis des choses qui sont fausses pour lui Dis-lui la vérité. La vérité, c'est la sienne. La sienne, c'est qu'elle est, qu est sûrement charmante et qu'elle est sûrement belle, puisqu'il l'a épousée. Donc dis-lui sa vérité. Vous avez compris pourquoi tu veux animer un yedserin chez une personne qui n'en a pas, en lui disant la vérité soi-disant Mais c'est pas sa vérité, c'est pas la vérité, c'est la tienne. Donc ne mens pas. C'est quoi mentir mais ben, ne dis pas ta vérité alors que c'est un mensonge pour lui. Dis-lui la sienne. Vous avez compris ce que ça veut dire dira que tu loin de mensonge. Si ces lois étaient dites, c'est pour expliquer que c'est très subtil en fait le Sheker. Vous avez compris On n'a pas le droit de mentir. Mais quand est-ce que c'est sourd de mentir C'est sourd de mentir quand c'est faux pour nous deux. Si ce que je te dis est faux pour toi et pour moi, c'est ça, ça. entraîne un dommage. Ouais. Par exemple, le, dans l'exemple de chevaux, je sais absolument hein, que, le, que le jugement il est faux. Ouais, mais je vais euh, que ce que je pense que est faux, mais je vais absolument leur faire croire que c'est vrai. Et tu sais que c'est faux. Pourquoi tu mens et, pour, et tu sais que c'est faux pour toi et c'est faux pour eux aussi. Et ça va entraîner un dommage pour celui qui va subir ce jugement. Alors ne le dis pas parce que c'est faux pour toi, mais c'est faux pour l'autre. Comme euh, quelqu'un il va dire, écoute, il me doit hein, il me doit 10 000 euros. Mais j'ai qu'un seul témoin. Bon, malheureusement, Mais bon, je suis très honnête, tu sais, tu sais très bien que je, je dis la vérité. L'élève, il va écouter son rave. Et donc, il dit Je dis la vérité. Et j il me donne numéro, euros. de dire oh, en Seulement, fait. si j'ai qu'un seul témoin, j'ai malheureusement qu'un seul témoin, et que je le fais jurer, j'ai très, très peur qu'il va mentir. Alors, je t'en prie, quand tu veux venir au, au tribunal avec, avec le témoin, toi, mets-toi à côté du témoin. Comme ça, il verra quand vous êtes deux, il va croire qu'on est deux témoins, et deux témoins, ça fait sortir de l'argent. Alors, vas-y, va, viens t'asseoir à côté de, du témoin là-bas. Il a envie de voir Chez-qu'un Pourquoi parce que c'est vrai qu'il te doit 10 000 euros, c'est vrai. Mais c'est un que qu'il est témoin. Et c'est faux pour toi et pour lui. Et pour lui, ça veut dire que tu vas lui faire sortir de l'argent alors qu'il n'est pas obligé de le sortir. Peut-être qu'il peut qu va devoir jurer, oui ou non, c'est à lui de choisir. Mais ce n'est pas à toi de lui imposer quelque chose qui va l'obliger à, à te payer. Parce que c'est faux pour celui qui propose à l'élève de s'asseoir à côté du, du de aide, et c'est faux pour celui qui va subir ce jugement alors qu'il n'est pas obligé de payer, il doit jurer. Vous avez compris ce que je veux dire il peut jurer et dire que non, je ne dois pas plus que ça. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut faire très attention de que cette subtil, le shaker, c'est très subtil. En le, vérité, le, le shaker, il vient pas de nous en fait. Il vient du Yetzéhara malheureusement. Et c'est pour ça que euh, parce que si le shaker est une, est une Avera, on te on t'a on t'a dit de, de garder ta bouche, fais attention à ce que tu dis. Ouais. Et C'est surtout ce que tu penses qui est grave. Est ce que tu vas exprimer verbalement, finalement, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, ce n'est pas forcément juste. Il faut faire attention. Hein. Ouais, Midvar ça veut dire de s'éloigner d'un mensonge. Hachem ne supporte pas le mensonge. Qu'est-ce que c'est que le mensonge ben, Le mensonge, c'est simple. C'est que quand je mens, en fait, je mens, mais je, suis, mais je mens en faisant croire ce que je ne suis pas. Voilà. Je dis, euh, je fais je, je croire aux gens des choses. Ouais. Je peux faire croire que je suis très honnête. Ouais. Alors qu'en vérité, c'est un mensonge. Oui. Il y a des gens, par exemple, c'est clair que si quelqu'un, c'est un des exemples qui est marqué dans la Torah, que si quelqu'un, il va réclamer de l'argent. À quelqu'un, il va lui réclamer, mais pas lui réclamer, pardon. Il va lui demander de lui faire un prêt d'argent. Il dit, voilà, je veux marier mes enfants, si tu peux m'aider, et tout ça. Alors, la personne, elle a l'argent pour l'aider, mais elle sait que si elle lui donne cet argent, elle ne va pas pouvoir le faire fructifier. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, elle dit euh, écoute, euh, moi, j'ai pas d'argent. Par contre, j'ai un, un non-juif qui m'a laissé de l'argent. Il m'a dit Si tu vois des gens qui ont besoin, alors tu leur prêteras, mais avec 5%, 5% 10%. Tu vois Mais avec plaisir, je te prête. Mais il veut absolument qu'ils prennent des pourcentages. Donc il dit Mais tu rigoles, mais avec plaisir. Mais, mais, mais bien sûr, vais... Je, si je peux marier mes enfants avec cet argent, mais bien sûr, je, je, je paierai les 10% sur le crédit, il n'y a aucun problème. Juste qu'on va échelonner, etc. Et tout. Maintenant, là-bas, c'est marqué qu'en vérité, cet argent lui appartient. Et il a fait un ISO, la Torah de Haybit. Seulement, il a menti. Pourquoi Parce qu'il a fait croire que c'était un goy, un non-juif. Et donc, euh, on a le droit de faire des prêts avec des non-juifs, euh, avec, euh, avec intérêt. Et donc, il a prêté, il a prétexté ça pour, en vérité, pour pas que son argent, il dorme chez l'autre. Il dit au oh, moins, cet argent, je, je vais lui prêter. Mais non, mais non personne n'en saura rien. Vous comprenez Parce que d'où il va savoir que cet argent lui appartenait Il n'appartenait pas à un, un non-juif, il n'en saura rien. Et il va dire à ouais, c'est là place, un tzadik, comment oh, bah, il m'a aidé pour marier mes enfants, Minesh bah, alors qu'en vérité, c'est un rachat. Ça rend personne n'en saura rien. Alors c'est marqué, tu te du des Il est marqué, ve, ve, tu craindras Dieu. Jusqu'où il faut craindre Hachem Il faut craindre Hachem jusqu'à ce, jusqu ce que les gens ne sauront jamais ce qu'on pense, évidemment. Mais toi, tu sais ce que tu penses. Alors ne mens pas. Ne fais pas croire aux gens des choses qui sont fausses. Ouais. Parce que le dommage, en vérité, Hachem ne peut pas s'approcher de ça. Ouais. Parce que, parce que, parce que Hachem, il émet. Donc les gens qui mentent, en fait, ils ne rentrent pas dans la méritade d'Hachem. On ne peut pas pénétrer un monde émettre lorsqu'on est faux. C'est-à-dire que ce qu'on ce qu dit, en fait, on, on, on dit des mensonges, mais c'est parce qu'on est menteur qu'on dit des mensonges. On ne peut, peut pas se cacher d'être un menteur. Il y a quoi ça sert de mentir C'est comme on fait des reproches à des gens. Oui, on fait, de, je ne sais pas, une femme elle peut faire un reproche à son mari, ou une, un mari peut faire un reproche à sa femme, parce qu'elle est agacée par un comportement, par une attitude, par, un, je ne sais pas. Et l'autre il dit, l'autre il va... Il va il va, il, va, il va crier, il va mentir. Il va me dire, mais pas du tout, n'importe quoi, t'as rien compris, c'est pas ça et tout. En fait, il, se, il ment, il ment, pourquoi Ou elle ment, pourquoi Elle ment parce que, parce qu en fait, ça dérange. Ça dérange de savoir qu'on a des défauts. Et comme je n'ai pas envie de me voir avec le défaut qu'on prétend que j'ai, alors je vais mentir. Mais jusqu'à quand tu vas mentir ouais, Tu dis, mais tu des tâches sur toi, tu hein, dis, quelle tâche, ouais, quelle tâche ouais. où, où tu veux des tâches Jusqu'à quand tu vas mentir ouais. En fait, mentir, c'est de se protéger d'une chose en fait qu'on ne veut pas solutionner. Mais dis la vérité. Ouais, c'est pour ça que quand on fait échouver, ouais, le Rambam il dit il faut dire khatati aviti pachati le Il faut oser avouer qu'on est fauteur. C'est la chose la plus compliquée. C'est ce que dit l'agman dans humain. Il faut dire khatati, khatati j'ai fauté j'ai fauté. Et quand on avoue qu'on a fauté, alors alors là on, peut, on met le doigt sur le problème et on peut le solutionner. Mais tant qu'on ment en fait, alors on Qu'est-ce qu'on fait En fait, on cache, ce que nous, on, on cache ce que nous sommes. Et quand on cache ce qu'on est, bah, est jusqu'à quand tu vas mentir Jusqu'à quand tu ne vas pas corriger ces problèmes ouais. Il faut bien que tu les nettoies, ces problèmes. Alors il faut que tu les corriges. Mais c'est contre-nature. Mais je sais, mais c'est ça la voie attachez. C'est d'avouer qu'on a des soucis internes, ouais, qui sont des fois psychologiques, des fois qui sont comportementaux, mais il faut les changer. Jusqu'à quand tu vas mentir Mentir, c'est de faire croire que tu es un autre, mais tu n'es pas cette personne. Après, tu mens. Par contre, de dire la vérité, tu vois, mais quand je dis la vérité, ça me gêne. J'ai honte de ce que je vais dire. J'ai compris, mais il faut un jour que ça change. Il faut un jour que tu arrêtes de faire souffrir les gens autour de toi. Il faut un jour que tu comprennes que quand tu mens, tu n'es pas toi-même. Alors il faut dire la vérité. Ça serait, le mensonge, c'est de faire croire aux autres ce que tu ne suis pas. Mais tu es cette personne pour qui tu vas mentir. Tu dis, ouais, mais moi, je suis un honnête homme et un. C'est ce que les gens disent. Mais oui, mais si tu vois bien que tu fais des crédits, tu fais des crédits en faisant croire que l'argent des autres, c'est un mensonge. C'est comme a dit il y a un employeur qui va dire à son employé, écoute, va bêcher sous la vigne. Alors qu'il n'a pas besoin. Apporte-moi un verre d'eau chaude, il n'a pas besoin. juste pour être pour que son employé, il travaille béfarère, qu'il le fasse travailler durement comme ça, pour montrer qu'il est vraiment le patron. Alors qu'il n'a ni besoin d'eau chaude, ni besoin d'aller bêcher sur la vigne. vrai, il fait ça pour le faire travailler encore plus Ouais, pour montrer que c'est lui le patron et c'est lui qui décide. Maintenant, Hachem il dit Arrête d'avoir un sur la lèvre, c'est des choses qui sont dans le cœur des gens, personne ne saura rien. Personne n'en saura rien. Il y a qu'Hachem qui sait. Alors il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de faire croire. Il faut arrêter euh, comment dire parce que Veillaret Tamelokera, tu dois craindre Hachem, lui il sait que tu mens et tu sais que tu mens. Pourquoi tu mens? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu gagnes à mentir? C'est un sourd de mentir. L'éloigne toi du mensonge. Éloigne toi de ce Yetzerara qui te fait croire. Soit cohérent. C'est-à-dire, s'éloigner, c'est comme si on était deux. Il y a celui qui était manipulé par son Yitzhak hein, et celui qui est lucide. Alors, celui qui, celui qui est lucide, il doit s'éloigner de celui qui est faux, en fait, qui lui fait croire qu'il est faux. Vous avez compris ce que je veux dire Il faut s'éloigner du Yitzhak. S'éloigner, ça veut dire de. Quand vous pensez un truc, vous pensez quelque chose, en fait, sachez que ce n'est pas vous qui pensez. On vous fait croire. Quand Hachem. Euh, vous allez voir à chaque fois c'est marqué le satan il a dit, le satan il a dit. En fait pourquoi c'est là Mais non, c'est Abraham qui a pensé. Non, c'est le Satan qui lui a fait croire. C'est le Satan qui nous fait croire qu'en mentant, on va s'en sortir. Tu vas t'en sortir, c'est sûr, à court terme. Là, pour l'instant, tu rassuré, euh, t'as pris un anti-inflammatoire, t'as menti, super, t'es es, es rassuré, personne n'en saura rien. Ouf Voilà, je suis rassuré. Mais en vérité, c'est qu'à court terme, parce qu'à long terme, euh, le problème, tu l'as sur toi. Tu l'as sur toi et ça va, se ça va se retrouver ailleurs ou plus tard. Tu vas retomber dans le même panneau et tu vas faire souffrir des gens autour de toi et tu vas souffrir toi-même de, de ce manchon jusqu'à quand tu vas mentir. C'est pour ça que c'est très important hein, ouais, de s'éloigner du chéquer. Ici, si c'est pareil. Ouais, vous avez vu que tu dis Mais euh, le pauvre, le, je vais juger le pauvre, mais je vais, je vais essayer de l'avantager. Le pauvre, il a, tellement, il a tellement de problèmes de, de parnassa, tellement c'est difficile dans sa famille, dans sa vie, dans ses enfants. Mais bah, c'est pas grave, on va lui faire une tova. On va mentir. Il dit Non, il ne faut, 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 faut pas avantager. Il ne faut pas essayer de faire du chéquer, ça sert à rien. S'il a dû vivre ça, la vérité, c'est qu'il devait passer par, ce, par cette étape de sa vie. Maintenant, hein, peut-être qu'il n'a pas contrôlé son état, parce qu'il était pauvre. Alors il faut que tu l'aides, mais pas de mentir pour, pour, pour l'aider à s'en sortir d'une situation qui est difficile. Parce que tu vas pas l'aider, c'est contre, contre vérité, vous comprenez C'est comme des parents, ouais, ils veulent pas laisser leurs enfants agir. Voilà. Il dit mais pourquoi Parce qu'ils vont se tromper, parce qu'ils vont faire des bêtises, parce qu'ils vont souffrir. Alors là je vais tout faire, tout faire, tout faire. Et quand après on se rend compte que nos enfants ils savent rien faire et qu'ils partent pour se marier ils savent rien faire. Je dis mais comment ça se fait tu n'arrives pas. Mais bah, maman tu m'as toujours aidé, papa tu m'as toujours aidé. J'ai jamais, et j ai, j ai jamais eu d'expérience. C'est comme si vous mettez un enfant sur une chaise roulante et vous baladez toute la journée avec lui. Et après quand il va se marier vous dites bah, lève-toi de la chaise. Mais comment Lève-toi. J'ai pas de muscles. Mais je dis, mais moi je l'ai fait pour ton bien, c'est moi qui tirais la chaise, c'est moi qui, qui faisais pour toi, je t'ai couvé, je t'ai arrangé, j'ai tout fait pour toi pour que tu réussisses et tout ça. Mais tu, mais oui, tu as fait pour moi, mais, mais je n'ai rien fait. Moi, j'ai jamais rien fait, jamais agi, jamais décidé, jamais rien fait. C'est du chéquer, vous avez compris, on n'a pas le droit de faire ça. C'est du chéquer, mais pour le pauvre et tout ça, c'est ton Yitzhara qui te dit ça. Parce que tu as peur de ses échecs, tu as peur qu'il que ait de la peine, tu as peur que je ne sais pas quoi. Mais il faut bien qu'il passe par une expérience de vie. Qu'est-ce qu'il va décider dit dis, mais moi j'ai pensé bien faire. Mais c'était du shaker, c'était un mensonge. Éloigne-toi du shaker. Laisse-le tranquille. Laisse-le agir. Laisse-le faire. Il va se planter, c'est pas grave. Il apprendra. Mais si tu dis ah, mais ouais, s'il il, il fait ça, il va se tromper. Ou je lui ai dit de ne pas faire, il n'a pas fait. Mais je lui ai dit, tu, tu lui as conseillé. C'est bien. Mais tu devrais lui apprendre aussi à, 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 à prendre des décisions personnelles. À s'engager dans sa vie. Ouais. Et c'est comme ça qu'il va se muscler. Et sinon, comment tu veux qu'il se muscle Il va arriver à un moment donné, il va voir faire des choix, il ne pourra pas. Il dit allô maman, allô maman, allô papa, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire ben, que c'était pas ça donc la vérité du moment c'est quoi bah, c'est que au oh, moins je suis soulagé il va pas faire d'erreur mais le mensonge c'est qu'il n'est pas construit pour vivre et ça il faut faire attention éloigne-toi du sheker absolument il faut faire attention de toujours être lucide dans ces cas là parce que c'est un mot parce qu'il y a des vérités qu'on dit pas et il y a des mensonges aussi que euh, on pourrait se permettre de dire parce que c'est ça qui va sauver la situation à chaque fois que tu verras sur du long terme que ça mène du bien tu peux as le droit de mentir c'est si ma mise va de le faire parce que au final tu, tu vas tromper ton sarah et c'est le bien qui va ressortir et des fois hein, c'est l'inverse parce que si tu dis la vérité, si tu, si tu mens tu verras que c'est dommageable pour les deux autant pour celui qui ment pour que celui qui va subir ce mensonge alors on a droit de mentir on s'éloigne de ça et on est tous les deux perdants c'est ça qui est marqué que si tu vois que tu trouves une tratouna et la fille, elle n'est pas forcément jolie, mais qu'il l'a épousée, tu ne vas pas lui dire qu'elle n'est pas belle. Tu lui diras qu'elle est belle. Parce que la vérité, c'est ce qu'il a choisi. C'est ça la vérité. C'est ça qui va construire ce couple, c'est ça qui va les renforcer. C'est ça qui ils vont entendre Mazatov, Mazatov. Et quand tu aura des problèmes entre eux, au moins ils se rappelleront qu'on leur a dit Mazaltov. Et c'est ça qui va faire qu'ils euh, vont pouvoir passer outre les petits problèmes de couple qu'ils ont. Parce que le rave, il a dit Mazatov, les gens ont dit Mazaltov, tout le monde a dit Mazaltov. On a réconforté cette fille et son, gar... et son mari d'avoir fait ce choix de, de s'être marié. C'est ça le hémètre. Le shaker, ça serait le contraire, de détruire des situations. Ouais. Comme il y a des gens, ils vont dire à leurs enfants, écoute, t'es nul, et machin, et ça va pas du tout, et toujours pareil, tu te trompes tout le temps, etc. Bah, c'est la vérité. C'est vrai, il se trompe tout le temps. C'est vrai que euh, qu des fois, il a, il a eu des mauvaises notes. C'est vrai que des fois, ça n'a pas été. C'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est un shaker parce que tu décourages celui qui aurait, or, qui aurait tellement besoin d'encouragement, alors que tu as, tu as entériné chez lui la capacité à croire qu'il est nul. Alors que c'est faux, en fait, il n'est pas nul. C'est pas parce qu'à l'instant T, il s'est trompé qu'il est nul. Et je lui dis, ouais, t'es nul. Et puis, comme d'habitude, et tu te trompes tout le temps, ah là là, il y en a marre, il en En fait, qu'est-ce que je lui dis Il a l'impression que ce que dit son père ou sa mère ou ses amis, c'est la vérité. C'est du shaker. C'est du shaker. Midvar shaker tichak, éloigne-toi de cette bêtise. Parce qu'en en fait, il n'est pas nul. Il n'est pas construit, c'est possible, mais il n'est pas nul. Ouais. Il y a des choses à faire pour essayer de l'amener à se construire dans sa vie. Donc au lieu de lui apporter des solutions, ouais, et ben arrête de dire des vérités. Et ces vérités sont des mensonges. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il est comme ça. C'est vrai que sur l'instant T, mais c'est pas vrai. Parce que tu vas faire croire quelqu'un qu'il est, qu est, qu est, qu est le bonnet d'âne, alors que... Alors que l'apport le, la, psychologique que ça a sur lui, c'est une destruction de la personne. Tu détruis les gens. Arrête de détruire les gens. Mais j'ai dit la vérité. J'ai compris, mais tu n'es pas obligé de dire cette vérité. Tu T'es pas obligé de lui dire. Tu peux même lui mentir pour lui faire croire qu'il est bien. Et que, que ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais il va s'arranger. Et il va s'améliorer. Et, et, il, va et il, va, il va progresser. Voilà ce que tu peux dire. Et c'est pas un mensonge. Et ça va l'aider à se construire dans sa vie. Alors qu'il y a des vérités qui, 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 qui blessent, qui dérangent, qui, qui sont très frustrantes, vous avez compris. Voilà. C'est pour ça qu'il faut respecter, euh, il faut respecter les personnes, il faut respecter les mœurs, il faut respecter ce qui est vrai. Il faut respecter le long terme de la vérité et pas le court terme du mensonge. Voilà. Mais la THM. Keshem, il que de la bracha et qu'on puisse être lucide à tout moment. Merci beaucoup, vous, Mais vraiment, alors, donc, enfin